Ça, c'est des bons abonnés qui ont déjà commencé. Ça, c'est bien, ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les mecs? Moi, je m'occupe de la route, moi. Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Premier épisode, du coup, de la ville volante. On est avec les abonnés, bien sûr, qui ont été tirés au sort pour venir rajouter leur pierre à l'édifice. Donc, salut Ludovic, comment vas-tu? D'accord, bon bah écoute, pour l'enthousiasme de Ludovic, on repassera, hein. Eh, tu le dis si ça te fait chier, Ludo, hein, on arrête tout, hein. Non, non, mais c'est pas grave. Théo, est-ce que ça va? Ouais, tranquille, ouais. Ah, voilà, ça c'est bien, ça, il y a de l'enthousiasme. Bastien, est-ce que ça va, Bastien? Ah bah nickel, moi. Ah, ouais, ça, c'est un bon abonné. Ludo, on te repose la question, est-ce que ça va, Ludo? Ouais. Bon, d'accord, on repassera pour Ludo. Hein. Ludo, écoute, eh ben, tu vas t'occuper du cimetière. Ouais. Ludo, tu vas construire un cimetière juste ici. Je pense que ce sera pas mal. Donc, eh bien, comme vous le savez, les abonnés ont été tirés au sort, donc c'était un petit peu la pagaille pour se rejoindre. Mais maintenant, on y est. Surtout, si vous voulez participer au tirage du deuxième épisode, que vous voulez jouer avec nous, venir rajouter votre petite construction et tout, et bien pour ceci c'est très simple, il vous suffit de venir nous rejoindre sur Twitter et vous mettez un petit like, un petit retweet sur la vidéo et nous on tirera la roulette et ça fera tirage au sort. Alors Théo, je vois que t'as commencé, dis-nous qu'est-ce que tu construis? Une maison. D'accord, c'est un grand classique. Ah oui, c'est ma maison en premier, hein. Un grand classique. Bah tiens, qu'est-ce que tu construis? La route de la ville là. Ludo, qu'est-ce que tu construis, Ludo? Oh, je sais pas trop. Fait chier quoi, franchement. Ça fait chier d'être sélectionné quand même pour jouer à Scrap Mécanique. Hein. Je le charrie, Ludo. Je te charrie, Ludo, bien sûr. Donc, Ludo est très content d'être avec nous. Alors, bien sûr, Théo a plein de projets. Et Théo, non, il a trop de projets. On pourra, on pourra pas faire tout ça. Ma liste. Mais attends, alors, juste, Bastien, c'est quoi que tu fais? C'est une piste d'atterrissage ou une route? Une route, oui, mais faut que je fasse les traits. T'es sûr que c'est pas un aéroport que tu nous fais, un aérodrome, là? Oui. Je voudrais au minimum que ces voitures la passent, parce que c'est une petite voiture, ça, tu vois. Ah ouais, mais c'est pas mal, ouais. Alors, est-ce que vous avez vu un petit peu la gueule de la plaque déjà? La plaque qui est supposée voler, elle est juste énormissime. Elle est énorme. Donc, tout le monde, bien sûr, pourra venir poser sa construction sur la plaque volante. Hein. Il n'y a aucun souci. Donc, cette ville, bien sûr, c'est vous qui allez la construire, les mecs. Hein. Moi, je vous regarde faire. C'est vous qui construisez la ville. Si vous avez besoin d'un coup de main ou quoi, voilà, vous me dites, mais voilà. Bah, viens m'aider à faire le trottoir alors. Le trottoir, je vais t'aider. Alors, voilà. Il est où, Théo? Il est là? Ok, je vais t'aider à faire le trottoir. Tu veux que je peigne quelle couleur? En gris? Bien sûr. Cette vidéo, vous devriez la voir normalement donc samedi matin, je pense. Le prochain épisode de Scrap Mécanique de la ville volante pour le prochain tirage, l'épisode se tournera lundi à 18h. Voilà, lundi à 18h, je pense que c'est une bonne date ça pour tourner le prochain épisode. Si on peut reparticiper, c'est même encore mieux. Mais vous savez que vous pourrez reparticiper, hein, y a pas de souci, hein, c'est la roulette qui fait les choses. Ludo, putain, qu'est-ce que t'en dis, Ludo? Lundi 18h, fais chier quoi. Hein? Ouais, lundi quoi. C'est lundi quoi, ça fait chier, Ludo, putain. On le fait lundi ou pas, Ludo? Ouais, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Je l'adore, Ludo. Eh, hey, Ludo, tu construis pas vraiment un cimetière? Ah si, je crois que c'est vraiment un cimetière. Non, mais pas à côté de ma maison. Eh bah si, n'oubliez pas les mecs, il vous reste 15 minutes pour finir votre construction, 15 minutes. Ça va très très vite, ça va extrêmement vite. Hein. Donc n'oubliez pas, si vous participez, je vous le rappelle, mais tout se passe sur Twitter. La dernière fois, il y a eu plus de 50 personnes qui ont voulu participer pour la maison volante. J'ai sélectionné 4 personnes et je comprends pas, il y a personne qui a répondu les mecs. Personne. Du si, coup, y a Ludo. Oui, y a, ah oui, y a, bref. Ouais, il y a Ludo. Ouais. Ah, il y a Ludo. Mais Ludo, il a joué, mais ça vous est chier un peu quand même, tu vois. Je voulais remercier quand même les gens qui ont retweeté la vidéo, même s'ils n'avaient pas le jeu ou si vous voulez pas jouer. Voilà, juste pour le soutien, c'est vous les meilleurs. On va quand même sortir la liste que Théo veut faire. Hein. Non, parce que c'est quand même un truc de fou. Hein. Il nous a dessiné un plan et il nous a fait un fichier texte. Il veut construire un hôpital, une base militaire, une station spatiale, Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13. Enfin, là, il veut faire un voyage sur la Lune. Tu vois, voilà, on en a pour jusqu'à je sais pas quand de Scrap Mécanique si on suit le projet. Vous pourrez tous participer. Surtout les mecs, si vous kiffez, hein, oubliez pas le petit like, hein, bien sûr. Si cette série elle continue, bah c'est grâce à vous, hein, je veux dire. Si vous kiffez, on continue. Si vous kiffez pas, on rase la maison à Théo. Demain, on rase la maison à Théo. Non. Tout est fini. Ah bah si, ces abonnés kiffent pas, mon gars, y a plus de série. Tu pourrais la sauvegarder sur le workshop. Ouais, tu pourras la sauvegarder, Théo, bien sûr. Ouais, tu pourras la sauvegarder. Alors, ça me va. On en fera une grosse mystery box. Non, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Je vais voir ce que Ludo fait. Ouais, Ludo. Ça raconte quoi?
Je fais une banque. Tu fais la banque? Ah d'accord, bonjour, c'est la banque. Pas mal, pas mal. Ludo nous fait la banque. Qu'est-ce que tu nous fais, Bastien? Un garage. Ça avance pas vite, les mecs, là. Allez, faut mettre les bouchées doubles un petit peu, là. Les abonnés, là, ils veulent voir de l'avancement, là. Moi, je vais vous pousser au mais cul. Mais toi, hein. Tu fais quoi? Bah moi, je vous regarde, les mecs. Moi, je vous regarde. C'est déjà bien. C'est moi qui pose les questions. Moi, je supervise. Toi, t'es l'animateur. J'allais le dire. Moi, je suis le présentateur de cette émission, monsieur. Et un petit peu de peinture. Voilà. Voilà. Je t'aide, Théo, tu vois. Alors, je rappelle aussi pour les gens qui veulent partir. Et venir rajouter leur petite construction. J'ai dit petite, Théo. C'est ma voiture, attends. Okay. Si vous voulez venir rajouter votre construction sur cette grande plaque volante, enfin qui est supposée voler dans quelques temps, eh bien, surtout, on va pas faire des grosses constructions au milieu de la map et tout. On prend chacun un petit coin et puis on se met bien comme ça. Allez, 14 minutes, les mecs, pour votre construction. Faites-moi rêver, là. Vendez du rêve, là. Ça avance vachement bien, en fait. Hein. Alors, Théo, oui, ça dit quoi? Ça dit que je vais faire une porte, des fenêtres et puis l'intérieur. Et puis le toit. D'accord. Oh, ok. Alors, eh ben, mais franchement, moi, je trouve que vous êtes une bonne team, les mecs. Hein. Vous êtes une très bonne team Scrap, là. Hein. Parce que là, je vois Bastien, là, il a pas chômé, mon gars. Théo, il fait sa petite maison. Ludo, t'en penses, Ludo? Hésite pas à parler, Ludo. Participe, Ludo. Au moins, tu fais ta petite construction et tout. Tu nous fais la banque, Ludo, c'est ça? Impeccable, nickel, c'est parfait ça. Bon, franchement, super cool ton petit garage, Bastien, en tout cas. Hein. Après, par la suite, donc, quand on aura bien déjà rempli cette plateforme, mais ça peut aller vite en fait. Hein. Ah, tu te rends compte, regarde, très vite, ouais, ça fait pas si longtemps que ça qu'on joue là, quand on est 3-4 sur un serveur et tout, tac, ça se monte vite fait. Hein. Par la suite, bien sûr, va y avoir des réacteurs à mettre sous la ville volante, enfin, sous la ville volante qui ne vole pas encore, bien sûr, mais ça ne devrait tarder. Alors, à bannir, bien sûr, tous les canards tournants et tous les trucs comme ça, tout ça, c'est des petits mécanismes. Mais qui vont faire laguer si vous mettez 100 000 canards tournants et tout. Regardez, moi je vous aide les mecs là, je continue la route là. Après on peut faire des petits chemins, tu vois, sur les côtés. Bah, sur les côtés, il y a les trottoirs qui sont gris normalement. D'ailleurs, on pourrait faire par exemple des vrais trottoirs, tu vois. Genre juste un bloc de hauteur, tu vois, ça fait un trottoir. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez un petit peu. On veut vos avis, hein. Je sais qu'il y a plein de personnes qui nous ont donné des idées dans les commentaires. Notamment, on m'a dit de faire une pharmacie, de faire une bite volante, tout un tas de constructions bien sympas, quoi, tu vois. On va passer un petit peu à Ludo, qui a pas beaucoup participé. Ludo, qu'est-ce que tu nous dis? Ta banque? C'est d'où? Et puis pas plus, comme on dit. Est-ce que tu me permets d'appuyer sur le petit bouton, Ludo? Ouais. Ok. Ah yes, pas mal. Donc on va visiter un petit peu. Oula, où ça je commence à laguer moi les mecs. Allez les mecs, il vous reste pas longtemps pour finir la construction là. Et ce sera donc la première partie de la ville volante. Quand je dis cette fois-ci on va se mettre d'accord, je sais pas pourquoi je dis cette fois-ci, on s'était déjà mis d'accord la fois dernière. Mais quand je dis que le prochain épisode se tourne lundi à 18h, c'est pas lundi à 18h on se rajoute sur Steam, on se rejoint sur Discord et tout, on se rejoint sur Scrap. Non, lundi à 18h, on est prêt. Si vous êtes tiré au sort que vous êtes pas prêt lundi à 18h, bah, je prends quelqu'un d'autre, tu vois. Ludo! Ouais, dis-le-moi, Ludo, si je te fais chier. Hein. Dis-le-moi clairement, tu me dis. T'hésites pas, tu me dis, écoute, Jolotte, ferme ta gueule, tu me fais chier, franchement. Voilà, surtout, n'hésite pas. On a l'impression que tu t'acharnes sur lui. Je le prendrai bien. Non, Ludo, je t'aime bien, Ludo. Non, c'est juste que Ludo, c'est vrai que Ludo, t'as pas participé beaucoup. On t'a pas entendu. On a beaucoup entendu Bastien. On a énormément entendu Théo. Mais alors, Ludo, c'est le constructeur mystère, on va l'appeler. Tu vois? Par contre, Ludo, moi, j'ai envie de souligner quand même, hein. Ludo, en attendant, il parle pas, mais il a pas le temps, lui, mon gars. Tu vois, il construit. Voilà. Peut-être qu'il parle pas, mais il construit. C'est magnifique, Ludo, ta banque. Vraiment. T'entends les bruits de peinture. On va peut-être faire une petite intersection, je sais pas. Genre, tu vois, pas obligé que ce soit non plus des routes, tu vois, voilà, des routes super larges, quoi. Allez, vite, Théo, là, il reste pas longtemps. Il reste 5 minutes, Théo, là. Ludo, 140. Elle est magnifique, Ludo, franchement. Magnifique. Bastien, très joli garage également. En train de faire la porte, j'en chie un peu, mais bon. Ah ouais, t'as pas un petit souci, là, quelque part? Ouais, la porte, c'est un peu... Oui, mais j'ai l'impression qu'elle coulisse pas, ta porte, là. Ah ouais, c'est vachement sympa, ce système de coulissage et tout. Il reste 2 minutes, Théo, 2 minutes. C'est à vous pour la prochaine fois, pour le prochain épisode, d'être à l'heure pour continuer cette ville volante. Hein, voilà. On se donne rendez-vous lundi. Ah oui, Théo, t'étais à l'heure, mais malheureusement, faut attendre tout le monde, tu vois. Voilà. On se donne rendez-vous lundi 18h pour le deuxième épisode. Voilà.
je le rappelle, lundi 18h, c'est on est là, on est sur le serveur, on attaque. Lundi 18h, c'est pas on se rajoute sur Steam, on télécharge les mods, on télécharge le jeu, on installe ceci, cela. Non, non, tout ça, ça se fait le dimanche. Ludo, ta banque, ça avance? Ouais, ok. Bon, bah, je m'en vais, Ludo. Hein. Je m'en vais. Hein. Ça dit quoi, Bastien? Eh bah, toujours en train d'en chier avec ma porte, mais bon, un peu capricieuse. Ludo, Bastien, Théo, il vous reste 2 minutes pour construire votre construction. T'as comment que je galère? Blalala. Finissez au moins votre construction, les mecs. Hein. Franchement, au moins, je sais pas, Théo, fais un toit et tout. T'as fait un toit, Théo? Bah, ok, d'accord. Pas mal. Ok, je vois ça. Ouais, c'est joli. Bon. C'est joli. Ce sera un lit vite fait. Hein. Putain, ce canapé avec les sièges baquets, mon vieux. Il est très bien, mon canapé. Canapé, siège baqué, mon gars. Putain, ce truc de ouf. Il est très bien, mon canapé. Il y a des sièges baquets partout chez Théo. Excellent, quoi. Aïe. Oh, les toilettes, j'ai pas mis les toilettes. Ah, les toilettes. Bah, bien sûr, Théo. Ouh, Ludo, il supervise. Il y a quelque chose qui te plaît pas, Ludo, là. Non, c'est ça. Si, je sais pas, je te sens pas. Je te sens pas. T'as fini? Ouais, à peu près, ouais. Ludo a fini sa banque. Très bien. Bon, bah écoutez, on va visiter ça. Donc, ça, c'est les coffres forts, hein, bien sûr. Donc, ici, c'est le guichet pour la banque. D'accord. Ok, ok. Bon, après, vous avez pas forcément beaucoup, beaucoup de temps, hein, tu vois. Mais ça reste assez, assez sommaire. Une baignoire. Pourquoi une baignoire, Ludo, dans la banque? Il a mis une baignoire. Pour laver les billets. Oh, j'ai enfin fini ma porte. Ah la vache. D'accord, très bien Ludo, ta banque. Très bien, très bien. Bastien. Ah bah ma porte fonctionne, tu peux appuyer sur le bouton pour la refermer si tu veux. Bastien, la porte fonctionne. Ah yes. Très joli le garage, très joli Bastien. Très très sommaire, j'ai envie de dire. Très vide, un petit peu, voilà. Théo. Ah oui, bah, un peu comme oui. J'ai rajouté vite fait des voitures. Ouais, c'est... ouais, pareil, hein, c'est... Ouais, Théo, c'est pas mal. C'est mais c'est quoi ces constructions, les mecs? Non, mais c'est pas possible. C'est une prison chez toi, Théo. C'est une cabane de prisonniers. Je sais pas, il y a les chiottes et tout à côté du salon. Oui, bah écoute, il n'y a plus le temps. Et c'est la fin du temps imparti, les gens. Vas-y, vas-y, on te laisse finir ton arbre, Théo. Après, on pose les claviers et c'est fini. C'est fini, c'est fini. Bravo. Bravo, 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 bravo. Bastien qui a fait son garage. Donc, là, bien sûr, on est sur les premières constructions. C'est l'ébauche de la ville volante. C'est pour ça que pour les prochains épisodes, soyez à l'heure. Surtout, suivez le compte Twitter. Bon, les gars, ça vous a plu, cette petite partie? Ouais, j'ai voulu faire plus, mais bon. Théo, est-ce que ça t'a plu? Oui. Oui? Bastien? Nickel. Ludo, ça t'a plu, Ludo, quand même, un peu? Ouais, tranquille. Ouais, tranquille, ouais. Tranquille. Ouais. C'est toujours ça, quoi. Voilà. Bah, franchement, excuse-moi de t'avoir dérangé, Ludo, franchement. Excuse-moi. Bon, bien sûr, Théo, où est-ce qu'on retrouve ces jeux les moins chers, Théo? Sur G2A. Bah, bien sûr, vous voyez, c'est Théo qui vous le dit. Vous avez tous les liens dans la description. Et d'ailleurs, vous avez Scrap Mécanique qui est en promo sur G2A. Vous avez tous les jeux qui sont en promo sur G2A toute l'année avec le petit code Jolat, bien sûr. Nous, on vous dit à la prochaine et ciao tout le monde, bye bye. Allez, ciao les gars. Au revoir. Salut, Ludo. Salut. Salut. Non, Ludo, je t'aime bien. Je te charrie.